Au lendemain de la journée mondiale de la santé axée sur la sécurité des aliments, les habitudes des uns et des autres sont restées les mêmes. Les nombreuses sensibilisations n'ont jamais servi. Sincèrement, c'est vrai. Il y a vraiment un peu de danger parce que si nous coupons la viande avec la main, on prend de l'argent avec la main, il a fallu qu'on prenne peut-être soit des fourchettes à deux doigts, là. Comment on appelle ça? Des fourchettes pour couper de la viande et prendre de l'argent après. On ne peut pas couper la viande avec la main, on prend l'argent avec la main. Parfois, c'est le coût de vie aussi qui nous amène. Cela. Le coût de vie, c'est un peu trop élevé. On essaye de faire avec ce qu'on a. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Pendant cette journée au Gabon, les différentes instances ont souligné le besoin urgent pour les organisations gouvernementales, les industries alimentaires, les entreprises d'alimentation et les consommateurs de mettre en place des mesures qui viseront à améliorer la sécurité sanitaire des aliments. Il faut rappeler qu'à travers le monde, on dénombre 2 millions de morts par an et plus de 200 maladies, dont la fièvre typhoïde. Les diarrhées et les cancers sont dus à une alimentation incontrôlée. Les principaux cas sont dus à des alimentations mal préparées ou improprement manipulées dans les restaurants et les marchés.